Mec, on tape. Alors, on avait moult choses à faire, mais c'était surtout moult choses à faire au sud. Il fallait, il y avait une zone là, ici, où il y avait l'arbre mort. Je pourrais y aller en bagnole, comme un fou. Parce qu'après, il faut que je rejoigne les jumeaux qui sont là. Ouais, et du coup, ça me ferait une ligne. Je pourrais le faire de nuit, histoire de me dire, tiens, 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 on va récupérer un peu d'XP. Mais il y a moyen que je meure. Il y a moyen que je meure de ouf. Parce que la nuit, ces bâtards, ils vont très très vite. Hein. Ils vont plus vite que ma caisse. Et on est comment dans la nuit? Ah ouais, on est au tout début de la nuit en plus. Lui, il est pété. Elle répare là, tu vois. Elle peut pas être réparée, cette pièce. Tu déconnes. Ok. Bon. C'est pas grave. On va dire qu'on va aller à ce camp-là. Il manque de vis. Je manque de vis, mais... C'est bizarre parce que... Merde, je descendais mon son. C'est bizarre parce qu'à chaque fois, je récupère des vis sur les bagnoles, mais c'est pas grave. Let's go. Je vais où? Ça commence mal, hein. Allez, barrez-vous, putain! Vas-y, je suis grillé direct. Ah, putain! Je crois que j'ai oublié de tourner au bon endroit, hein. On va tourner ici. Allez, ça continue encore et encore. En même temps, on est là pour l'XP. Mais ce serait bien que j'aille mon objectif quand même. Surtout si je croise des zinzins avec des pics là, les coureurs avec des pics. Merde, je suis en ville. Je me suis fait tuer par le barbelé. Je suis abattu. Je suis abattu. Barbelé m'a tué, quoi. Barbelé de merde. Bon, acte 2. Alors, je suis pas du tout allé au bon endroit, mais... On va passer par là, descendre au sud. Salut Overlord! Bienvenue à toi! Direct, hein! Mais direct! Normalement, j'étais censé avoir des phares qui font UV. Je sais pas où ils sont. Moi, je fais un tour de con. Je sais pas où je vais. Mais non! Mais non! J'en ai un autre au cul! Vas-y, il y en a un avec des pics. Fuck! Je
je crois que je vais aller dormir. Hein. Le point bleu, Mathieu. Ah oui, le point bleu, ouais. Bah oui, on va faire ça. J'ai une armée au cul. Dégager qu'on est dans la bonne direction. Ouais. Merde. J'ouvrirai bien ma carte. Mais j'ai quand même beaucoup... Ah, poursuite évitée, enfin. Alors, je suis où? Et on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Attends. Ouais, on est pas mal. Cache-le. Non, 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 tu m'as pas vu, hein. Koulos. Non, pas toi. Et salut Nabayo. Bonjour, bonjour. Ok. On est à la maison. Chut. Pouah, il y a un de ces mondes. On va faire dodo, hein. Bienvenue, mec. Fais le tour de la boutique, je t'en prie. Ça va, mec? Il y avait pas les vis. Ouais, mais il va nous falloir trouver un supermarché, ça serait le top. Je te pique un lit, mec. Hop là, je vais dormir ici. Et salut, Syl. Bonjour, bonjour, bienvenue à toi. Ouais, ma caisse, putain. Ok. Alors, on avait une première quête qui est ici, suivez l'indice. Alors... Pas trop à quoi ça peut correspondre. Ah mais merde, c'est une île. Par contre, Mathieu, il y a des défis pilotes qui pop. Ouais, je sais, mais ils sont éclatés. Je ne les fais pas parce qu'ils sont vraiment nazes, tu vois. Ça serait marrant, je les ferais. Ça ne l'est pas. Et... Putain. Oh, j'ai pas envie de nager, hein. Je crois qu'on a pas le choix. Ah, il y a un truc pour passer, mais c'est incroyable. Non, je fais le jeu solo, Napayo. Je fais le jeu solo, histoire de...
Parce qu'avec les abonnés, j'ai pas envie que je passe mon temps à esquiver les zombies qui veulent me bouffer le cul. Avancer dans l'histoire de Crane, tellement il est cool, ce personnage. Bon, il est teubé, putain. Bon, bah, je retrouverai ma caisse plus tard, hein. Et salut, Ombroc. Bonjour, bonjour. Me dis pas que... Trouvé sous l'arbre mort. Bon, il doit y avoir un arbre mort ici. On va prendre de la hauteur. Pas comme ça. Toi, t'as l'air mort, mais en fait, tu l'es pas. Toi, t'es très mort. Oula, toi, t'es très... Très, 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 très mort. Ok. Ça va être encore une quête que je vais adorer. Le jour d'après, il se réveillait et va vers l'ouest où il repartait du lit rocheux de la rivière. Ils furent une immense découverte devant leurs yeux sur une colline. Ils virent les eaux s'ouvrir et dans la grotte d'une fillette morte, un cœur ils entendirent. Oh, ça va me gaver. Oh, je vais pas les faire. Attends, j'entends un gamin qui pleure. Si je trouve la fillette qui est morte, je trouve le secret. Elle est facile pourtant, Mathieu. Ouais, mais je suis teubé aujourd'hui. J'ai envie d'être bas du front. On avance. C'est une journée de merde. Et salut, l'entre du maître. Bienvenue à toi. Mode Crane activé. Oh, mais je suis là aujourd'hui. Je suis encore plus teubé de Crane. Je l'entends. Elle est là. Et où est-ce qu'elle est? Elle est dans une caverne. Ça doit être... ça doit être planqué. Je sais pas où, tu vois. Sous l'arbre. Bon, bon. Faut descendre vers l'ouest, j'imagine. Caverne. C'est pas une caverne. C'est pas une caverne. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas ce que je fais, mais je vais abandonner, hein. Ça me gave. Si vous avez la solution, n'hésitez pas, hein.
Et il y en a 4 en plus des comme ça. C'est pour ça que j'ai envie d'abandonner ces quêtes. Parce que, très honnêtement... RP Crane, hein. Je suis teubé. Merde! Encore une victoire de la gravité. Ouh oui. Ouh oui, la bonne gravité. Et je sais pas pourquoi il a pas voulu tirer avec son grappin. Pourtant j'ai spammé le grappin, mais... Il n'a pas voulu. Ah, il veut pas, hein. Par contre, les pétards, ça tu veux. Ouais, ok. La grotte, je pense que la grotte doit être au niveau de l'arbre, à flanc de falaise, je pense. Je sais pas, il parlait de l'ouest à un moment. Là, en fait, ok, on l'entend. Elle est là. Elle doit être dans une caverne, quelque part, cachée. Sous l'arbre mort, je sais pas. Il y a un chemin, mais le level design n'est pas clair. Oh bon. Mais ça me fait revenir exactement à l'endroit où je passais, quoi. Ah, allez, fuck yeah. Meurs, putain. Alors, je me suis battu pour... Un revolver qui tape à 2,81. Quel intérêt, tu vois. Le cowboy, mais le cowboy, mais pourquoi ça tape vraiment pas assez fort? L'important, c'est le voyage, Mathieu. C'est vrai, je pense pas assez au voyage. Excellent. L'important, c'est le style aussi. C'est vrai que le style, on n'y pense pas assez à Crane Cowboy. Allez, allons voir les deux jumeaux. Ils vont m'insulter. Ça va être excellent. Ah, plus d'essence. Juste là, putain. Bibou, vous êtes enfermé. Prends les vis, ouais. Je prends les vis. Et les gros camions, ça loot des trucs vraiment très cool. Des synthétiques. Fuck yeah. Ça va. Mais vas-y, c'est bon. Ah, mais j'ai mes roues qui sont pétées en fait. C'est pour ça que je glisse comme un connard. Faudrait que je trouve une sorte de parking. Bon, c'est pas un parking, mais on va looter des vis, hein. Parce que ma voiture, elle va pas très
très très très très bien. Toi t'as pas de vis, salaud. Bus, moteur à l'arrière. C'est vrai. Une vis. Pas mal. Cette pièce ne peut être réparée. Mais on peut la rendre violette. Voilà. Là, faut 10 vis. Mais aussi, attends. Je devrais peut-être pas faire ici en plein milieu de la carré, mais... Je vais les récupérer là, les vis. Non, merde. Ça, c'est... Oh non, j'en ai que dalle. Il n'y a pas de chemin pour aller chez vous? Mais si, il y a une route. Pas les vis. Aïe, j'ai pris le jeu. Ah oui. Mais ouvrez-moi. Félicitations, vous avez réussi. Je parie que vous avez déjà oublié notre projet secret, non? Nous essayons de le lancer. Votre esprit serait incapable d'appréhender la grandeur de son concept. Et le résultat vous donnerait une crise cardiaque. Oui, enfin bon, une fois terminé. Pour l'instant, il nous faut de la ferraille, des bouts de métal. Mais moi, des vis. Et des clous. Vous vous souviendrez de tout? Vous devriez prendre des notes. Ou bien mieux encore, dessiner tout ça avec un crayon. Oh! Et prenez le compteur Gégère. Il pourrait y avoir des radiations. Ne nous remerciez pas. Des radiations? Quelles radiations? L'armée a peut-être laissé quelques surprises. Dis-lui, Fatine. Du calme, Crane. Vous devez juste écouter les clics et revenir avec tout le matériel. Ah tiens, déjà, j'ai des pièces métalliques, du rouleau adhésif, des clous. C'est bon? Vous avez tout. Nous vous aurions sous-estimé. Mais voilà. Pas surestimé, ça c'est sûr. Regardez, tout est là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce plan secret? Ça reste secret, désolé. Nous vous recontacterons. C'est toi qui le feras. Moi, je serai trop occupé. Ok, bah cassos. Cassos, cassos. On n'a rien à faire, je crois, dans la région, là. Me semble-t-il. Il y a nettoyé la zone, mais le problème, c'est que... C'est qu'on n'a pas le niveau. Nidra passe la nuit. Et la première quête, la moins loin... C'est peut-être un truc de collection, là. Encore avec une énigme. Alors, celle-ci, tac. Elle est au nord. Celle-ci, tac. La mer vue d'en haut, elle est là-bas. Celle-ci, tac. Six pieds sous terre, elle est... Ok, elle est dans un Hydra Pass. De toute façon, j'ai peur que... La quête principale, elle est où? Ok, elle est là-bas. Le temps que j'y aille... Le temps que j'y aille, les jumeaux, ils vont me rappeler. Si on trouve un parking, ça serait vraiment cool. Et salut Mr. Wolf, ton live me fait du bien de fou après une journée de merde au boulot.
au bureau. Tant mieux, Mr. Wolf. Moi aussi, j'ai pas eu une journée de dingue. J'ai pas eu une journée de dingue. Mais je l'ai déjà le carburant. Qu'est-ce que vous me cassez les couilles? Je suis pas obligé d'aller à la zone de quarantaine, je l'ai déjà. Parce que je suis un farmer fou, tu vois. Ouais, ravi de vous aider, comme d'hab. Et maintenant? Maintenant, vous nous laissez travailler. Du balai, oust. S'il me rappelle. Ne vous laissez pas trop distraire. Nous pourrions à nouveau avoir besoin de vous. S'il me rappelle. Pardon, je suis encore en train d'aller à la quête. Je suis abattu. Ah mais ça fait peut-être bip parce que j'ai plus d'essence, non? C'est vrai que j'avais pas pensé ça. Carburant requis. Non. Non. J'aurais filé tout mon carbu. Merde. Celle-ci, j'y retournerai bien, mais c'est d'où je viens, j'ai récupéré. Du coup, on va aller là, mais j'espère que j'aurai assez de jus. De merde. Hey, ici Patine et Tolga. Putain mais je glisse hein. Officiellement, va venir découvrir notre projet secret. Mais il faut venir très vite et nous apporter absolument le tuyau de carburant de cet avion. Non. Sans lui, le projet n'existerait pas. Dépêchez-vous. Nous n'attendrons pas éternellement. Siphonne les bagnoles. Celles-ci, je les ai déjà siphonnées. Mais ça va passer. Ça va passer. Le problème, c'est que je glisse de ouf. Il me faut des vis pour empêcher ce truc de glissement qui est insupportable. C'est pour ça que je me prends toutes les bagnoles depuis tout à l'heure. Et bien sûr, récupérer du carbu. Yo, 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 yo. Bordel, je me fais sniper! Dégage!
Bon, on va aller looter, hein. Je vois que ça. Je pense que j'ai assez. Allez, j'y crois. J'y crois, j'y crois. Toi. Parfait. Ok, il devient fou lui. Bon, ça va mieux niveau conduite. C'est plus équilibré. Oh pétard, hein, c'est loin. J'en profite aussi tant qu'il n'y ait personne. Niveau de pilote. On peut faire mécanique T5. Les mines. Électrique. Électrique, c'est pas mal, ouais. Bon, allez, vas-y, on teste. Après, tu vois, j'ai installé les phares UV et l'habitat électrique, mais les phares UV, j'ai pas l'impression de les avoir vus. Peut-être qu'il faut que je les active en faisant je sais pas trop quoi. Ah merde, faut... faire quoi? Hein? Ah ok, je les active une fois dans la bagnole. Ok, nice. Mais pourquoi ils mettent des tonneaux explosifs ici? C'est incroyable. Oh putain. J'ai pris tarif. Ah vache. Ok, on va aller voir le professeur. Il y avait un escalier. Il était au deuxième de mémoire. Premier. Kyle, peu importe comment tout se finira. Mon Dieu. Est-ce que j'ai fait donnera à la mère une meilleure réponse à sa question?
que n'importe quelle recherche qui m'aurait fait perdre du temps. J'étais un ethnographe célèbre. Je suis venu à Arran sur l'invitation de la femme du colonel affecté ici. Le colonel, la mère, des mots que l'on prononçait ici avec le plus grand respect. Pourtant, au bout d'un moment, ils sont juste devenus Amir et Jasmine. Un mariage heureux, si cela peut exister. Et c'est à sa demande à lui que je suis resté quand tout a dégénéré. J'étais là quand il est revenu pour l'évacuer. Je l'ai vu se faire mordre. Et quand il m'a demandé de rester, j'ai obéi. Je pensais qu'il voulait que j'abrège ses souffrances. Mais ce n'était pas le cas. Il m'a donné quelque chose que je devais lui transmettre à elle. Seulement si sa santé mentale, suite à cette tragédie, ne m'inquiétait pas. Mais je ne l'ai jamais revu. Je me suis senti rejeté, abandonné. Et maintenant que je vais mourir, je ne peux pas tenir ma promesse. Elle ne veut toujours pas me voir. Mais vous êtes différent, Kyle. Vous avez une chance de la rencontrer. Il n'y a aucune option pour moi. Je dois vous laisser ce que le colonel m'a donné, Kyle. Je sais que quand l'heure sera venue, vous prendrez la bonne décision. N'oubliez pas ce code, je vous en prie. 2, 5, 1, 9. Ah, il a déjà oublié. 8. Ah, il a déjà oublié. 6. C'est terminé, mec. 0. Je m'excuse pour les erreurs que j'ai commises et j'implore votre pardon. Qu'est-ce qu'il a fait ? Joseph, est-ce que... ça va ? Qu'est-ce que t'as fait, mec ? T'es où, mon coquin ? T'es encore plus bas ! Attila, répondez, Attila. Ah bah il s'est buté. Attila, répondez, s'il vous plaît. Attila, qu'est-ce que t'as foutu ? Ici Kyle Crane, je suis chez Attila. Comment va Attila, Crane ? Parlez. Ah c'est bien, ouais. Il s'est tranché la gorge, il a mis le masque et il s'est tué. Le masque ? Quel masque ? Un vieux masque rouge que j'ai trouvé au Temple du Soleil. Oh, ce vieux fou s'est servi de vous, Crane. Hein ? Comment ça ? Pour trouver ce masque, nous savons tout. Ce n'était pas sa mission, Crane. Attila était mourant. Un cancer lui rongeait le cerveau. Il a dû se convaincre qu'en portant le masque et en se tranchant la gorge, le dieu du soleil se manifesterait pour prendre possession de son corps. Mais pourquoi ? Pourquoi vouloir faire une telle chose ? Et il passera par les portes de la mort afin de pouvoir ramener la vie. Attila a interprété ça comme un suicide. Une erreur qui lui a coûté la vie. Prenez le masque et essayez de trouver le livre qu'Attila écrivait pour nous. Apportez-les à Jazir et nous nous occuperons du reste. Heureusement que je suis pas parti trop vite, putain. Allez, le masque. Merci pour les codes dans le chat. Ça a l'air nickel. Ça a l'air d'être exactement les bons. C'était le Père Noël, ça, de mémoire. Apportez le livre à Jazir. Mais attends, il y a un truc qui me rend fou. Comme j'ai pris un gros tonneau explosif avec ma caisse, elle est fichue. Alors que j'ai passé 30 minutes à la réparer, tu vois. Pas de porte de sortie dans cette baraque. Alors, on avait les jumeaux,
Est-ce que c'est sur la route? Ouais, c'est sur la route. On va faire ça. Et lui, il me campe comme d'habitude. Si tu pouvais aller genre là, tu vois. Sur Toro. Ok. La voiture a l'air d'aller pas trop mal en vrai. Passe. Et salut Wind, bienvenue à toi. Bonjour, bonjour, ça va très bien, j'espère que toi aussi. Un peu perdu. Merde. Ah. Ok, ça fait le café l'électricité, hein. C'est assez cool. Merde! Oh non! Oh putain, il n'y a plus de cabane! Sale journée pour toi, hein. Ok, bon. Récupérer le tuyau dans l'avion. Parfait. Et les frères, ils sont où? Ils sont tout en bas encore. La vache! On the road again. Moi je prends le jus aussi. Ça passe. Eh oui. Oh putain. Non, ça passera pas. Bon, je vais peut-être regarder ma carte, hein. Ah, pardon.
pour tout de suite le permis de conduire. Oh, ça va. Y a pas de flic dans cet univers, j'ai risque rien. Toujours vide ? Toujours vide. Salut Franck ! Bonjour, bonjour Franck. J'espère que tu vas bien. Tu peux siphonner les autres véhicules ? Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Après, le mieux, c'est les pompes à essence. Elles en donnent plus. Mais tu peux siphonner, ouais. Voici votre tuyau de carburant. Merci ! Et maintenant, préparez votre petit cerveau, Crane. Vous allez découvrir notre plan. Et votre cerveau va exploser. D'accord, c'est bon, finissez-en. Préparez-vous à être émerveillé. Nous avons fabriqué un wagon-fusée. Une fusée motive. Un turbo-train. Un jet sur rail. Nous avons trois places. Et nous allons traverser la barricade dans le tunnel. Jusqu'à l'autre côté. Et vous nous accompagnerez. Vous allez utiliser le train comme un bélier. Avec vous dedans, sérieusement? Notre plan est infaillible! Tu vois, Fatine, son intellect limité ne peut appréhender notre idée. Bien sûr! Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Dans ce cas, regardez notre œuvre, primate, et pleurez, parce que vous n'aurez pas de seconde chance. En effet, vous n'en aurez pas. En effet, parce que vous n'y survivrez pas. Homme de peu de foi. Et de peu d'esprit. Ah! Tenez, prenez ce dispositif de piratage. On n'en aura plus besoin. Peut-être trouverez-vous les coffres que nous avons jetés depuis notre avion avant le crash. Avec le dispositif de repérage et ça, vous devriez pouvoir les ouvrir sans peine. Dans ces coffres, vous découvrirez notre génie dans toute sa splendeur. Si vous pouvez le comprendre. Ce dont je doute. Adieu, Crane. Après, là où ils sont teubés, même si ça marche, ils vont faire une brèche dans la quarantaine. Après, allez-y, les gars. Mais... je vous regarde. Tu es prêt, Tolga ? 3, 2, 1, allumage! Putain! Fatine! Tolga! Répondez! Vous êtes en vie? Et merde! Reposez en paix, les gars. Une mine. Pourquoi ça bip? Pourquoi il y a le bip zinzin qui... Ah, pour les caisses? Alors, il y a les caisses. Ils m'ont donné un truc. Genre... boîte mystère. C'est la table ? Ah, c'est ça. Et là, la boîte mystère, je devrais pouvoir l'ouvrir avec le petit bidule. Incroyable, Crane. Allez. Et je... Le super zombie grenade, qu'est-ce que c'est que cela ? Bah, je ne te vois pas, mon ami. Ah, c'est tout en bas. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une grue, non? Ça m'a l'air d'être une grue.
C'était naze, hein. Bon Dieu, qu'est-ce que c'était naze. Faudrait le lancer sur les zombies. Après, ça tire les zombies parce que ça fait du bruit. Mais il faudrait le tester sur un vrai zombie, tu vois. On en a pas un zombie bien compliqué là dans le coin. Lui là, lui il est bien compliqué. Je sens que ça va être naze, tu vois. Je sens venir gros comme une maison. Donc là, on a un zombie bien compliqué, ceux que j'arrive pas à tuer. C'était pas mal, hein? Ça lui a enlevé genre zéro vie, tu vois. Ouais. Je viens de me faire... je viens de me spoiler, elle a un effet fun sur les zombies. Ah ouais? Ah oui, d'accord. Mais uniquement les petits. Là, le boss, non. Le boss, non. Alors, on va faire la quête principale qui est... C'est quelle heure là dans le jeu? C'est 18h52, ça va, ça va, ça va. Allez. Ça pèque ça. Mais non, c'était pas là. Y'a un chemin sur le pont? Ah non, c'est un camp. Y'a un chemin? Ah ouais, y'a un chemin. Ah ouais, nice. Ça me fâche. Nickel. C'est passé pile poil.
raccourci, vous inquiétez pas. Putain, le raccourci de merde. C'est la merde aujourd'hui, hein. Oh, qu'est-ce que c'est la merde. Je te cache. J'arrive. Eh non, mec. Merci. Sans toi, je serais mort. J'aurais manqué l'arrivée du dieu du soleil. Mon loot! Tiens, c'est pas grand chose, mais c'est de bon cœur. C'est excellent, mec. Que la merde. Ça rend trop cool. Putain, mais j'ai déjà mes pneus qui sont foutus, quoi. C'est la dèche. Ah, mais ça patine. Est-ce que je peux réparer? Putain, pas vraiment. Et ah non! La tuture, elle va pas très très bien. Ouais, non, elle va pas très très bien. Jazir, pose aucune question. Remets juste ça aux acolytes quand on aura l'occasion. C'est très important pour la mère, je sais. Ils m'ont déjà dit. Je vais leur dire que tu es passé. Il me reste plus trop de quêtes accessibles à part détruire les Nidrapas, mais vu que ma voiture elle est éclataxe, j'ai pas trop envie d'y aller. Et puis on sait quoi, hein. Eh non, pas la nuit. Mais non, pas la nuit, pas la nuit, pas la nuit.
Et du coup, on a rien à faire. Ouais. Une super enquête. Il y a une enquête qui est pas loin. Mais je suis presque sûr que quand je vais prendre ma caisse... Kyle, on voilà. a des informations sur un groupe qui correspondrait à la description que tu nous as faite. Ils squattent le grenier. Si ces voyous ont pris quelque chose dans les grottes, s'ils retiennent notre frère Orkan prisonnier quelque part, c'est sûrement là-bas. Je vais aller faire un tour. C'est très dangereux. On en est bien conscient. Mais c'est peut-être notre dernière chance de trouver ce qu'on cherche. Ok, il me faut 3 vis pour réparer ma caisse. Elles sont forcément là. Elles sont dans le coin. Putain, il y a un de ces mondes. Un vendeur dans le village? Si, sûrement. Mais de toute façon, vu comment la route est longue, on va trouver des vis sur la route. Hein. Alors là, par exemple. Allez. Deux. Non, le tube. Toi, putain! Il est aggro. Ouais. Putain, mais... T'as pas des déplacements rapides? Non. Non, non. Et la carte est assez grande en plus, hein. Décidément, je vais pas réussir à réparer cette pièce, hein. En fait, plus je patine, plus je prends des dégâts, plus je prends des dégâts, plus je patine. C'est terrible. Regardez si t'avais pas un morceau de zombie coincé dans les jantes. Bon, ça a l'air d'être cool, hein. Cette pièce ne peut pas être réparée. C'est embêtant. Il manque 3 vis. Ah non, j'ai plus de réparation restante, en fait.
Ah non, je l'ai vraiment flingué. Ah ouais. Ah, il faut que je trouve un parking, hein. Parce que m'arrêter à chaque bagnole, on va pas s'en sortir. Ah putain, mais c'est incontrôlable, hein. Je vous assure que je... Bon, je suis pas le meilleur conducteur du monde, mais c'est vraiment incontrôlable. J'ai rien à désosser en plus. Il a pété, ça va attirer les coureurs. Ça, c'est un putain de parking, hein. Un petit, mais... Putain, il me fait looter de l'épic. C'est cool, l'épic, hein. Moi, j'ai rien contre ça. Qu'est-ce que tu fais, mec? C'est trop bizarre. Allez, pousse de là. Siphon de l'essence, ouais. C'est vrai que j'en ai plus. Oh non, tu déconnes, mec. Ah, ils sont relous, les gros, hein. Mais là, je crois qu'il m'a... Il m'a perdu de vue. On peut continuer. On est pas mal là. On est pas mal. Alors. Putain, il m'en manque une. Une toute petite vis. Il y en aurait une que j'ai oubliée. Ah putain. Non, je les ai toutes faites. Mais... Allez. 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 Putain.
Je te troll, mais de ouf, mais de ouf. Oui. Mon dieu, j'ai looté un objet de base. Oh, je suis joie. Alors... Ah merde, faut peut-être que je le fasse. Et salut Soukaze, bienvenue à toi. Bonjour, bonjour. Tac, tac, oui. Enfin. Pouh. Bah jusqu'à la prochaine réparation. Je suis en danger. Aidez-moi, je vous en prie. Bon, au moins je dérape plus comme un gros connard. Et ça c'est quand même pas mal. Dégage toi, putain! Alors, trouvons l'ouverture de ce bâtiment maudit. Allez! Ça sent les humains. Ça sent pas les zombies ici. Ça sent les humains. Oh, par contre, camion, qui dit camion, dit synthétique. Tube en acier, ok. Parce que les synthétiques, ça sera pour faire le T... Le T5, je crois, de la bagnole. Ah non, hein. Mais non! Il y a des zombies, hein. Je pensais que c'était une zone d'humains, mais il y a des zombies. Et salut Maui Bacchus. Et c'est sur ce jeu que je t'ai découvert que j'ai découvert que tu streamais. Bah ça fait un petit moment qu'on le fait, ouais. Là on arrive à la fin, mais parce qu'on a enchaîné directement le jeu classique avec le jeu Vanilla. Donc forcément on a eu beaucoup de live sur, sur Dying Light. Wow. Ah sur Mad Max. Ah c'était sur Mad Max. Ça remonte. Ça remonte, ça remonte Mad Max. C'était cool, moi j'aimais bien Mad Max. Un peu rébarbatif. Le virus d'Arabie. Quoi? Pourquoi il y a une musique de baston? Qu'est-ce qui se passe? C'est une musique de poursuite, je dois poursuivre quelqu'un, mais j'ai pas vu de personne. Ok, on est dedans.
bien regardé. Ah bah ouais, t'as bien regardé mon pote. Surprise. Si j'avais regardé ma minimap, je l'aurais vu venir, mais j'ai oublié. Oh non! Non! Le jeu! Alors ça, t'es vraiment pas cool. Je peux pas passer par là, je suis obligé de faire tout le tour, j'ai plus ma caisse. Ah oui, mais d'accord, vous êtes déjà en combat. Fuck yeah, hein. Comment je vous monte pour vous retrouver, les gars? Vous êtes timide un peu? Là, j'ai peur de monter ici et de me faire bolosser, tu vois. Il y a une cage d'escalier? Ah ouais, bien vu! Là? Ah, mais je... Ok. Rentrer par en dessous. Là où t'as tué le premier? Ok. Grenade, grenade. Eux en tout cas ils arrivent à descendre, ça y a pas de souci. Allez. Monte ta tête, mec. Ah, je suis grillé, hein. Oh, vous me cassez les couilles, hein. Ouais.
Putain, je vous vois pas, les gars. Il est tout en haut, ce bâtard. Mais toi, t'es vraiment un coquin, hein. Parce qu'au bout d'un moment, faut la prendre ta putain de tête, hein. Mais ils sont en béton armé, hein. Ah la vache. Qu'il en reste un qui s'est caché quelque part. C'est vraiment pas le plus futé de la bande. Il s'est barré en bas, Bibou. Après, je m'en tape, non? Ouais, je m'en tape. Je vais trouver le frère Orkan. Tu es où, Orkan? T'es pas là, Orkan le bro. Le bro. Vous faites quoi là? Shootez-le. Oh putain, c'était naze. Ok, on a trouvé Orkan le bro. Fait taper dessus avec un marteau, le pauvre. Putain de merde. Orkan. Kyle. C'est toi? Ah vache. Ouais, attends, je vais t'aider. Non. Écoute. Ils nous suivent. Voulaient le remettre. Ils savaient pas comment ouvrir. Ils ont posé des questions sur mer. J'ai rien dit. Parle pas, économise ton énergie. Je vais te sortir d'ici. Phare. Un phare.
Arcane, reste avec moi. Merde. Mec, il a 6 clous dans la tête au bout d'un moment. C'est Crane. Les voyous étaient bien dans le grenier. Tout comme Orcane. Ils l'ont torturé. Que le dieu du soleil recueille son âme. Il a parlé? Je sais pas, il m'a dit que non. Il a mentionné un remède qu'il savait pas ouvrir ou un truc dans le genre. Alors il en reste un peu. Même s'ils ont renversé un bon paquet dans le champ, ils sont partis où selon toi? Orcane m'a parlé d'un phare. Je vais chercher. Je vais cette cage d'escalier, hein. Si tu trouves ces fioles, fais-nous signe. Tu pourras les apporter directement à la mer. Mais vas-y, il est en métal, lui. Ah, putain. Je te laisse avec les zombies, mec. Va vers lui. Mais va vers lui. Mais moi, je suis pas une menace. Besoin d'un petit tour en caisse, mec. Où arrivez-vous de ma caisse? Alors sur une échelle de 1 à 10, c'est loin combien? Ah, ça va un petit peu loin. C'est qui elle déjà? Léna, je suis là, je t'écoute. Kyle, est-ce que tu m'entends? Eh oh! Léna! Kyle, si tu m'entends, dépêche-toi. On va bientôt perdre notre étage. Léna! Porte de merde. Je suis si près du but. Ah, c'est dans le jeu Vanilla, Léna. Ok, ok, ok. Là, on était déjà venus. J'avais vu qu'il y avait un endroit où on pouvait monter. Genre lui. Hop, technique de filou. Non, tu veux pas rentrer à l'intérieur? Mais t'es con, Crane! Et rentre dedans! Ok, Crane, j'ai rien dit. Moi, je suis presque sûr qu'on peut faire un move de ouf, hein. Non, c'est pas passé. Allez, Crane. Des fois, t'es cool. Allez au phare. Ah, je suis au phare. Mais je suis pas passé par la bonne route, du coup t'es pas d'accord? Active pas la quête, c'est ça?
Bon, reprenons alors. Je pense qu'il faut le faire selon une certaine méthode. On monte par là, on sort par là. Du coup, après, il doit y avoir une autre des fenêtres qui est coolos, tu vois. En l'occurrence, pas celle-ci. Pas celle-ci. Pas celle-ci. Et... ok, pas celle-ci. Bah oui, c'était sûr, hein. Il y a deux fenêtres par étage. Non, mais je suis hyper loin. Allons. Oh, en vrai, faudrait trouver au bout du troisième étage laquelle est ouverte, tu vois. C'est elle. Voilà, c'était si simple. Vous entamez la partie finale. Ouais, ouais, coolos. Oh merde, toi ! Bordel, j'ai bien failli te tuer. Ouais, c'est moi. Alors libère-moi, putain. C'était toi. Tu travailles avec les gars de Raïs. Où est-il, fils de pute? Où est le remède? Hein? T'es cinglé. Fais pas chier, Khan. Où il est? Écoute, mec, j'habite ici, d'accord? J'y connais rien à leurs histoires de bandits. Jeff, vous êtes là? Hé, hey, vous m'entendez? Qui parle? Ah, Jeff, vous voilà. Écoutez ça. Khan et son groupe sont à la recherche de la mer. Pas besoin, mec. Surveille juste le balcon. Attends. Et ben quoi, chef? Écoute, je sais que j'ai largement dépassé les bornes. Mais ils m'ont obligé, ils m'ont forcé à le faire. C'est Crane. Crane est là. Le groupe d'Akan. Où est-ce qu'ils vont? Dis-le-moi. Au barrage. Le prêtre a dit que l'entrée était là. Je t'en prie. J'en ai terminé avec toi. Oh, merde. Et salut, Effaï. Attends, je suis à toi tout de suite, hein. Ça wallac. Ça pique, hein.
juré avoir vu un truc. Non. Hé, toi ! Hé, toi ! Ouais, crève, pourriture ! Oh non ! Ici Crane, tu m'entends ? Les fioles ont disparu, j'en ai récupéré une poignée seulement. Et les hommes de Raïs arrivent, tu m'entends ? Allô ? Bagarre en voiture ? Merde. Ouais, c'est sûr. Faut pas traîner. Et du coup, oui, Faye, tu me parlais de Ghost of Tsushima. Le début, j'avais grave galéré en létal aussi. Après, t'inquiète pas, à force de pratique et tout, tu vas voir que tes réflexes, ils vont s'améliorer. Mais au début, j'ai grave galéré. Hein. Je vois ça. Un minute deux. Mais non ! Ne prenez jamais des raccourcis, les amis. Ça la bouge les coups de pied. Non. Non, il faut la reset à la main, mais là, il me le proposait pas parce que je suis en mission. D'ailleurs, j'avais pas... J'ai bientôt plus d'essence, moi. Allez. Allez, on perd quelques secondes, mais c'est pas grave. Bon, cette fois-ci, je prendrai pas mon raccourci naze, hein. On va suivre la route comme un bon citoyen. Hein. Éventuellement, on va faire un petit crochet ici, en mode Mario Kart. Et salut, Lixi! Bienvenue à toi. Bonjour, bonjour. Elle a changé la route arc-en-ciel. Un peu, ouais. Ça manque de peau de banane.
Mais non, qu'est-ce que tu fais? Mais non, c'est pas là. Si, c'est là. Je sais pas si c'est là. J'espère que c'est là. Non. Où c'est? Je monte là-haut. Ah bah GG les gars. Et vous n'allez jamais croire ce qu'on a trouvé ici. Encore plus de zombies. Il y a une urgence. Les gars, vous êtes en vie? Eh ben, merde. Amusez-vous bien. Et zut, ils sont pas morts, non? Non, ils sont pas morts. Où est la mer? Putain de merde. Oh, putain de bordel de merde. Hey, y'a quelqu'un ici? Frère? Bah fais pas du bruit, mec. D'autres combats. D'autres morts. Je ne peux pas laisser faire. C'est le DLC du premier, ouais. Tout à fait. C'est vous? Où sont les sans-visages? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'entends votre voix dans ma tête? Enfant du soleil, Kyle. Il n'était rien avant l'épidémie. Une simple tradition à moitié oubliée. Une fois ancienne et disparue. On est sur la fin? Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je suis fatiguée. Je porte ce titre depuis si longtemps. La mer. Il n'avait aucun sens, et puis c'est devenu trop réel. Je pensais qu'il me respectait en tant que femme d'un colonel. Nous menions une vie agréable. Après l'épidémie, mon mari est venu me chercher. Nous n'avions aucune chance face à la horde. Nous étions mordus. Il est mort en sang, dans mes bras. Il m'a donné son étui à cigarette et m'a dit de fuir. Il ne voulait pas me blesser. Les adeptes m'ont emmené. Ils venaient pour leur mère. J'avais oublié que... Je vais jouer après. Oui, je sais pas encore à quoi, mais oui, on va jouer à un autre jeu. Avec plaisir. La boîte. Elle contenait une carte, une clé et des chiffres inscrits sur un bout de papier. Ça nous a menés ici. Les plus-values ont essayé de remettre le courant.
Les autres sont allés chercher des médicaments. Enfin. Je sais pas, on fera un sondage pour savoir à quoi vous voulez jouer. On fera parler la démocratie, nom de Dieu. Nous avons trouvé un conteneur verrouillé. Les chiffres étaient le code. Il contenait d'étranges fioles. Les autres m'ont regardé. Ça pouvait être un médicament. Ou bien du poison. J'ai senti que j'allais avoir l'attaque. Me transformer. Alors, je me suis demandé pourquoi mon mari m'aurait guidé jusque-là. Je l'aimais. Je le croyais. Je me souviens du goût. Âpre. Aussi amer que du sang. Peut-être en était-ce. Salut, meuf. Je me suis réveillée. En bas. Entourée par ce qu'il restait des gens qui m'avaient fait confiance. C'était à cause de la lumière. Quelqu'un avait pu rétablir le courant et la lumière m'a ramené. T'es une zombie. Tu vois, respirer les vapeurs est une chose, mais boire le liquide, c'est tout autre chose. Sous la lumière, sous le soleil, mon esprit m'appartient. J'ai tant d'amour en moi que je ne pourrais pas l'imaginer. Mais dans le noir, c'est ma nouvelle nature qui domine, sans âme, illégale. Dans le noir, prise d'une passion cruelle, j'ai trippé mes propres enfants. Mais je me suis juré de devenir la mère qu'ils méritent vraiment. Et te voici, Kyle. Et tous les signes me portent à croire que tu es celui que j'attendais. C'est la prophétie, Kyle. Alors un homme apparaîtra, qui par un acte de sacrifice ultime, acceptera la clémence de la lumière. Non. Et le dieu du soleil apparaîtra à travers lui. Et il parlera à travers lui. Je veux juste un médicament pour sauver mes amis. Regarde mon visage. Il n'y a pas d'antidote. Tu veux que l'humanité devienne comme moi ? Écoute ma voix. Tu parles d'une évolution. Tous les esprits connectés par un lien télépathique. Comme c'est beau. Regarde-moi. Et quand viendront les ténèbres ? Alors quoi ? D'autres morts ? D'autres meurtres ? Tu pourras te cacher. Mais qui t'empêchera de trouver les autres ? Il n'y a pas besoin de le boire, juste les vapeurs. Qu'importe, écoute-moi. Tu as respiré les vapeurs. Ce sera plus long, mais tu commences déjà à devenir un monstre comme moi. Non, attendez, écoutez. L'armée a prévu un garde-fou dans son expérience. Toute cette région peut être purifiée. La question est, es-tu prêt à sacrifier des milliers de vies, Kyle ? Le sacrifice, c'est le seul moyen. Bon sang, très bien, j'écoute. Je veux rien savoir de votre délire. Laissez-moi prendre les viols et m'en aller. Kyle, qu'est-ce qu'il dirait? Kyle, il est... Kyle, le sacrifice, il sait pas faire. Sinon, il l'aurait fait depuis belle lurette, tu vois. Lui, il va dire, je veux rien savoir de votre délire. Laissez-moi m'en aller avec les viols. Vous êtes folle. Je jouerai pas les dieux du soleil. Je veux pas participer à ça. Laissez-moi repartir avec les fioles. Peut-être comprendras-tu quand tu le verras avec mes... Quel narcissisme. Toi, le dieu du soleil en personne. Je vais te montrer qui non tu es. Non. Moi. Oh non, non. Non. C'est un point de monstre. Je me suis peut-être plus humaine. Mais je suis remplie d'amour pour l'humanité. Un amour que tu défies. Et quand on rejette l'amour, on obtient la colère. Une colère que tu vas porter, Kyle Crane. Tu vas payer pour tout ce que je n'ai pas pensé. Ah.
Merde, bagarre. Les vapeurs sont très fortes ici, non? Elles pénètrent la peau, les os, le cerveau. J'entends tes pensées, Kyle. Tu as peur. Je viens te trouver. Bien, bien. Hein. Vous êtes plusieurs. Quand même beaucoup hein. C'est merdier chef hein. Que je tire plutôt sur quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui se passe? Ça a commencé. Non. Rapide que je croyais. Toi-même. Par vous. Ok, je régène tout seul. Elle me crie dessus, je peux rien faire. Je suis dead.
Bon, il y a une technique. Elle me crie dessus. Ah si, j'ai peut-être une idée. Péter le truc quand elle vient TP sur moi, mais de toute évidence ça marche pas. Parce que j'ai pas d'objet hein, j'ai ni grenade ni rien du tout, tu vois. J'ai juste mes points. Si je la pousse. Bon, mettons-nous des tatanes, hein. Bah ouais, mais à ce petit jeu-là, je vais perdre. Et là, quand elle me crie, je peux rien faire. Du coup, je peux pas régénérer. C'est éclaté comme boss, non? C'est éclaté comme boss. Mais y a pas de technicité en fait, donc du coup mais y a pas de technique. C'est soit je fais du tête-tête. Bah oui, tu gagnes. Tu TP sur ma position. Je viens d'aller voir mater la Solus. Ok. Ouais, vas-y, je vais la prendre. Je vais la prendre. Ugh!
Ouais, mais la technique de combat, je l'ai, les gars. Je vois bien que je lui fais du mal avec les esquives. C'est quoi quand LTP ? LTP sur ma position, je peux rien faire. Eh bien, c'est un vrai bon boss. Et je ne peux pas changer le mode de difficulté. Il est nul ce boss. C'est si nul. J'ai la strat, ouais. J'ai la strat, mais...
Oui. Mais elle me suit. Tu peux charger, faire des ruades, glissades. Ouais, mais je crois qu'elle s'en tape. Eh ben, c'était la bagarre. Et merci pour les GG dans le chat, merci beaucoup. Et hop, plus de tête. Toi, d'abord, saleté. Et puis je sauve mes amis. Et salut Léa, bienvenue, bienvenue. Bah oui mec, t'es fichu en fait. Tu vas devenir le nouveau roi zombie. Tu me ferais bien changer, Kyle. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu vas voir par toi-même. Je t'ai tué, merde. Ceci est un poison. C'est pas du poison, c'est l'antidote.
Léla. Léla, je reviens avec l'antidote. On va pouvoir soigner tout le monde. Dis à Camden qu'il a tout son temps. Qu'il a tout son temps maintenant. Non, dis-lui qu'on a une nouvelle piste. Encore meilleure. Dans une nouvelle ville à infecter, Crane. Let's go! Oya! On rentre à la maison! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bouffler, Crane! Sound effects. Il y a eu un sous-titre No sound effects. C'est une fin triste pour Crane, mais est-ce que c'est pas ce qu'il méritait? Sapristi! Eh ben, c'était quelque chose cette aventure Dying Light. C'était fun. C'était un nanar, mais c'était fun. Ça fait des mois qu'il traîne l'infection, pas étonnant qu'il devienne un rapace. Mais oui. Il a trop forcé aussi. Si tu choisis le sacrifice, ça change la fin? Bonne question. Bonne question. Je pense qu'il y a deux fins, ouais. Il y en a une où tu butes tout le monde. Mais je sais pas où je recommence en fait. Je crois que je vais recommencer au phare. Ça fait peut-être un peu loin. Bon non, il y a carrément plus rien en fait. Tu veux un indice pour le sacrifice? Bah oui, allez-y hein. Allez-y parce que... Je sais pas si je vais la faire. Vu qu'il est mal burné le jeu pour les points de save, en vrai, je sais pas. Ah mec! Pas le dingos! On peut aller chercher sur YouTube, oui. Oui. Ah, mais t'as trouvé, Monsieur Todd. Attends, j'arrive, je suis à toi dans une seconde. J'ai vu, Monsieur Todd, merci beaucoup. On va aller voir l'autre fin. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Tac. En plus, tu l'as trouvé en VF, mais c'est parfait. C'est parfait. Vous êtes folle. Non. Alors. Oui. Ça y est, c'est terminé. Putain, d'accord. Tu réveilles. Je fais quoi maintenant? Suis-moi, Kyle. Alors, si votre dieu arrive, nous mourrons tous. Et l'épidémie, elle meurt avec nous? Cela a toujours été l'issue. Et il passera par les portes de la mort afin de pouvoir ramener la vie. Si ça tue l'épidémie... Merde, ça en vaut la peine. Cela dit, cet endroit me fait pas trop penser aux portes de la mort. Un langage fleuri, n'est-ce pas? J'ai cherché des preuves, Kyle. La vérité dans nos traditions. Abonne-toi à ma chaîne! C'est gratuit! C'était ça la preuve. Que les miracles n'existent pas?
Qu'est-ce qu'un miracle, Kyle? Devenir un rapace doué de conscience? Je ne suis qu'un monstre. Devenir un héros de l'apocalypse? Tu es la bonne personne au bon endroit. C'est donc ça, le garde-fou. Et pourquoi vous avez besoin de moi? La clé que mon mari m'a donnée était la bonne, mais pas les codes. Je sais que c'est le seul moyen, mais je ne sais comment faire. Les codes. Souviens-toi du code, mec. 2, 6, Votre mari, 5. Il avait aussi un garde-fou. Il a laissé les codes à Attila pour pouvoir décider si vous seriez assez saine d'esprit pour prendre une décision. Attends. Tu as les codes? A-t-il pensé que tu serais meilleur juge? Dans ce cas, j'espère que tu me jugeras bien. Cessons cette folie, Kyle. Je t'en prie. Ah ouais, mais nucléaire en plus, ok. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Mais t'es teubé, Kyle. T'imagines les répercussions d'une bombe nucléaire, Kyle? Après une apocalypse zombie, je dis pas que c'est ouf. Mais les répercussions d'une bombe nucléaire, Kyle!